Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, ça va extrêmement bien et je suis ici pour vous présenter le coffret tout récent qui vient de sortir du nouveau film de Mamoru Hosoda. Je me suis un peu perdu, excusez-moi. Le film Belle qui vient tout juste de sortir chez Old The Anime en coffret Blu-ray, mais avec plein d'éditions différentes, notamment le Blu-ray simple, le DVD bien sûr, une édition collector avec le Blu-ray et plein de goodies, mais également une édition ultime, une édition génialissime que je possède. Et alors attention, l'édition collector déjà avec le Blu-ray et les goodies, c'est déjà une édition limitée à 2000 exemplaires. Et il y a une édition ultime avec le Blu-ray 4K Ultra HD, qui est également limitée à 1500 exemplaires. Et c'est l'édition que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas faire le tour des spécificités du film. J'ai revu le film il y a quelques minutes maintenant, quand j'ai reçu le coffret ce matin. Alors, votre review sortira 3-4 jours après, le temps que j'enregistre tout ça, que je fasse le montage, machin truc. Donc voici ce coffret de Belle. Donc je vais vous mettre en full cam, histoire que ce soit le plus simple possible. Voilà. Le coffret de Belle, il est juste ici. À l'arrière, ça se montre de cette manière, avec une magnifique Belle, hashtag Suzu, hein, avec à l'avant, là, je vous le remontre, avec le logo Belle, et notamment la belle Belle avec la bête, hein, parce que je vous rappelle que ce film est une caricature indirecte, parce que ça a été avoué hein, de toute manière, et c'était complètement normal de la part du réalisateur Mamoru Hosoda, du studio Shizu, d'avouer qu'il y avait des inspirations de la Belle et la Bête, hein, c'est complètement normal, hein, elle s'appelle Belle, hein. Voilà. Pour vous donner un petit peu mon avis sur Belle, hein, ce que ça vaut, bah, j'ai été voir le film au cinéma quand c'est sorti au début d'année 2022, avec ma petite sœur qui d'ailleurs m'a offert un petit truc quand elle est allée à Paris, elle m'a offert une BD Belle en fait, hein. Une BD Belle chez Nobi Nobi, qui est tout simplement d'après le film de Mamoru Hosoda, qui est en fait une BD pour les enfants, hein, qui fait que raconter les événements du film, mais sous forme de BD avec beaucoup de textes. Et franchement, c'est super de posséder ça. Et je m'étais moi-même d'ailleurs offert, après on fera la review du coffret, le roman Belle chez Pika Roman. Voilà, je possède le roman que j'ai lu entier, qui n'est pas un roman très compliqué à lire, hein, puisque ce sont tout simplement les événements du film, mais racontés sous forme de roman. Hein. Donc c'est pas très compliqué. Mais c'était en attendant vraiment de recevoir cette édition collector qui avait été mise en préco en avril chez All The Anime, qui a été repoussée, et elle devait sortir le 29 juin, elle a été repoussée au 8 juillet, ce qui fait que ça a décalé complètement mon planning de vidéo, j'étais un peu deg, mais heureusement j'ai trouvé un petit créneau pour vous caler cette review. Alors je vais pouvoir vous montrer très rapidement, alors comme je vous l'ai dit, c'est une édition limitée, donc en exemplaire, je possède, pour vous indiquer le numéro hein, que je possède, parce qu'il y a une carte avec le numéro d'exemplaire, le numéroté, je possède le numéro 1211 sur 1500, voilà. Donc c'est véritablement une édition collector limitée, parce qu'il y a, ce petit certificat d'authenticité pour prouver que c'est bien une édition limitée, voilà, avec Belle et la bête ici, hein. Ici, magnifique, j'adore. C'est pas de très bonne qualité la webcam. Faudrait vraiment que j'investisse dans une vraie caméra pour surtout pour les vidéos que je fais ici. À l'intérieur, nous avons également une, je crois, 16 cartes. Alors, je crois que c'est une dizaine ou une 16 cartes. Je vais pas pouvoir tous vous les montrer. Je vous en montrer quelques-unes au pif. Voilà, on a Suzu ici, donc l'héroïne du film. Hein, hashtag Belle, hein, si jamais. J'ai vraiment évité. Bon, Belle, vous l'avez vu sûrement ici. Voilà. Très belle, franchement, très stylée. J'aime beaucoup. À l'arrière, d'ailleurs, on a ici. Alors, peut-être que pour Suzu, je ne vous ai pas montré, peut-être qu'à l'arrière, il y a autre chose. Non, il n'y a rien. Il y a juste le logo du monde dans lequel se passe le film, parce que Hosoda recycle un petit peu ses contenus, parce que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'il avait fait sur Summer Wars à l'époque, en 2009, avec le monde de Oz. Et cette fois-ci, il réitère dans un nouveau monde virtuel avec You, hein, qui est un peu qui est le plus grand réseau social de l'univers dans You, enfin dans Belle. Voilà, on a la bête ici, caricaturée sous forme de peinture. C'est très joli. Donc voilà, vous en avez beaucoup de ce genre-là. Vous avez... Alors, je vous le montre vite fait, hein, comme ça, vous aurez les spécificités. Mais je pense qu'il faudra aller voir la review de notre cher Vic la Terreur, hein, qui va vraiment parler des spécificités du film, que ce soit le son, l'image, la qualité visuelle du film. Moi, je vais vous donner vraiment un avis à chaud et un avis très désordonné par rapport à quelqu'un qui s'y connaît dans l'audiovisuel. Donc, édition collector limitée et numérotée. À l'intérieur, donc, vous avez un artbook de 56 pages, enfin, je crois 56 pages à peu près ici.
qui doit contenir, je pense, des petits artworks du film, tout en japonais, et traduit également en français, avec le cast, les musiques traduites en jap et en français, parce que oui, il y a une VF, les musiques et surtout le personnage principal, Suzu, est doublé par Luan. Donc on a interview du superviseur de l'animation 3D également, parce qu'il y a beaucoup de 3D dans ce film. Bah oui, on est dans un monde virtuel, ce qui fait qu'on passe beaucoup de 2D à 3D. Du réel, évidemment, du compositeur, du thème principal de You, etc. C'est un truc vraiment génial. On a également une interview du cast japonais qui double les personnages. Et globalement, on a beaucoup d'artwork. Juste ici, voilà, je vais vous montrer à peu près. On a beaucoup d'artwork du film, ce qui est très joli. Et puis de toute façon, sur son site, All The Anime vend également des ex-libris. Pour finir, on a un poster en format A3. Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc c'est pas gigantesque, mais de toute manière, comme j'en possède déjà un qui est caché, hein, qui est caché juste derrière, voilà, là où il y a ma main, il est caché derrière, à moitié entre le mur et là, vous voyez à moitié le poster de Belle avec le Coyote Mag. Donc voilà. Ce qui m'a un petit peu chamboulé, par rapport au contenu à l'intérieur, donc on a le Blu-ray 4K Ultra HD, voilà le coffret, qui malheureusement en plus est très mal découpé ici. c'est foiré à moitié, c'est pareil de l'autre côté, c'est très mal découpé. Et à l'intérieur de ce 4K Ultra HD, donc c'est vraiment le coffret, hein, voilà, je vous le cache pas, c'est marqué ici, hein, les gars, voilà, 4K Ultra HD. Hein. On a à l'intérieur, et je l'ai réagencé pour que ce soit mieux, hein, ça se présente comme ça. Mais vous ne l'aurez pas comme ça. Je m'explique. Le Blu-ray 4K Ultra HD va être caché derrière le Flyers. Parce que derrière le Flyers, vous avez... Donc un Flyers All The Anime, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour faire la petite pub à All The Anime. Vous avez le Blu-ray 1080p. Juste ici. Sauf que, quand vous recevrez votre Blu-ray, c'est inversé. Le Blu-ray 1080p est montré devant. Et le 4K Ultra HD est caché derrière les Flyers. C'est ridicule, les gars. On est sur un coffret noir pour bien justifier que c'est le 4K Ultra HD. Déjà, qu'est-ce que fait le Blu-ray 1080p à l'intérieur? Et pourquoi est-ce que c'est celui qu'on voit quand on ouvre le coffret? Pourquoi avoir caché le Blu-ray 1080p, le Blu-ray 4K, pardon, derrière les Flyers? C'est ridicule. Ça aurait dû être complètement l'inverse. Et de plus, je pense qu'il n'aurait pas fallu mettre le Blu-ray 4K, enfin le Blu-ray 1080p dans le coffret. Il aurait fallu mettre dans le deuxième coffret, qui celui-ci est uniquement dédié au bonus du film. Voilà, c'est dédié au bonus du film. C'est flou, je suis désolé. Voilà, c'est dédié, ce deuxième coffret est dédié uniquement au bonus du film, avec 3 CD, dont 2 CD bonus, avec beaucoup, beaucoup de contenu supplémentaire. Je vais pouvoir vous en parler rapidos. Ça contient notamment 2 heures de film, donc voilà, ça c'est pour le Blu-ray de base, 3h11 de bonus DVD sur le premier CD, et 78 minutes de bonus également. Donc ça contient notamment des interviews de Mamoru Hosoda dans les coulisses du doublage, donc je pense français avec peut-être interview de Luan, interview des comédiens de doublage japonais, galerie d'esquisses préparatoires, donc on aura probablement des images de la conception du film, hein, de la production au studio Chizu au Japon. Et dans le deuxième, on a également une autre interview de Mamoru Hosoda et une interview de Mamoru Hosoda et d'Eric Wong qui ont participé ensemble sur le film. Eric Wong, je crois que c'est lui qui a conçu à peu près le monde de You, hein. Et Hosoda a travaillé avec des étrangers, hein, pour ce film Belle. Donc les visuels, bon, je vous les montrais vite fait, hein, voilà, les visuels ça ressemble à ça, je vous les ai montrés très rapidement. Donc si on ouvre, ça fait un visuel full ici, c'est très joli, un visuel full du film. Et pour le 4K Ultra HD, c'est à peu près la même chose, c'est un visuel full avec Belle sous sa forme de Suzu et sous sa forme Belle juste à côté. Hein, voilà, à l'intérieur, comme c'est tout noir, de toute façon il n'y a rien. Hein. Et à l'intérieur du Blu-ray, enfin, du deuxième coffret, il y a un autre visuel qui cache, mais qui montre en fait à l'intérieur, voilà, vous avez les CD. Avec ici le premier CD, je crois, bonus. Le deuxième CD bonus ici, avec Belle en couverture. Là, c'est la, en visuel. Vous avez la bête ici et derrière ici, vous avez les OST. Hein, l'OST du film. Avec c'est marqué ici. Original Motion Picture Soundtrack. Donc, je ne vais pas ouvrir les CD, mais vous avez un deuxième visuel derrière qui montre, si je regarde bien, tout simplement le monde de You. Hein, le monde de You... quand il fait nuit, hein, voilà. C'est un deuxième visuel alternatif, je pense que vous pouvez changer si vous avez envie de modifier un peu les visuels de votre Blu-ray
de votre Blu-ray. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Je vais le remettre correctement. Pour finir, je vais vous donner un peu mon avis sur la qualité du film. Hein. Qu'est-ce que ça vaut, hein, ce film Bell? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le coffret? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour un 4K Ultra HD? Surtout que bah, c'est un coffret qui coûte quand même dans les alentours, surtout à son annonce, à sa mise en précommande, voilà. Il coûte la maudite somme de 80 euros. Ce qui va rebuter mais tellement de monde en mode « Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas obtenir le 4K Ultra HD en dehors de l'édition collector limitée, machin ?» Je suis d'accord avec vous du fait que le 4K Ultra HD n'est pas encore totalement accessible, surtout que les gens ne vont pas encore complètement accepter le fait de vouloir dépenser 80 balles sur une édition complète, alors qu'ils pourraient simplement, comme le Blu-ray, avoir le 4K Ultra HD. Les éditeurs sont encore très frileux à ce sujet, et ça n'existe tout simplement pas encore, hein, le 4K simple. Ils veulent te vendre les éditions à 80 balles que seuls les plus riches peuvent se permettre d'obtenir, malgré une qualité de film absolument incroyable. Il y en a qui sont complètement rebutés et qui ne peuvent pas se permettre de s'acheter un coffret à 80 balles parce que ça rentre pas dans leur budget. Donc les éditeurs n'ont pas l'intention, je pense pour le moment, de régler ce problème, ou de ne serait-ce que proposer un 4K simple, ce qui est pour le coup d'autant plus décevant avec ce genre d'édition qui va se vendre à la pelle avec ses 1500 exemplaires. La qualité visuelle du film, alors attention, faites attention si vous regardez en fonction de la platine sur laquelle vous regardez votre film, et si votre télé prend en compte le HDR, parce qu'il faut absolument qu'il y ait le HDR sur ce film, c'est absolument primordial de le regarder pas seulement en 4K. Parce que moi je l'ai regardé sur la PlayStation 5 en 4K, mais comme ma télé et la PlayStation 5 ne sont pas compatibles pour activer le 4K Ultra HD HDR, donc en gros le 4K est actif mais pas le HDR, parce que là c'est pas compatible avec la PlayStation 5, donc j'ai dû activer manuellement le HDR, ce qui fait que c'est pas forcément le meilleur rendu visuel parfait, hein, avec les vrais téléviseurs qui coûtent 2000 balles et qui ont le Dolby Vision machin truc, parce que l'AVO et l'AVF sont en DTS HDMA 7.1 48 kHz, donc si vous avez le meilleur home cinéma de votre vie avec le rendu 7.1, mettez-le en place, regardez-le sur votre meilleur téléviseur avec le meilleur rendu son. Je l'ai regardé sur l'enceinte Bose, hein, que je possède, la barre de son Bose. Déjà le son est tout simplement exceptionnel, hein, que ce soit en VO ou en VF, la qualité sonore est tout simplement spectaculaire. C'est spectaculaire le niveau son, et le niveau rendu visuel c'est pareil, hein. Vous verrez une différence énorme, mais je dis bien énormissime, hein. C'est le jour et la nuit, hein, entre la qualité 1080p et le 4K. C'est lunaire, hein, la différence de qualité, hein. Les gars, ne vous dites pas, ouais, non, il abuse, machin, vous... Vic la Terreur vous dira la même chose. Vic la Terreur vous dira la même chose, il vous a probablement déjà dit la même chose sur les Blu-ray de Les Enfants du Temps et de Your Name, qui sont ressortis en 4K plus tard avec des nouveaux coffrets chez All The Anime que je possède, hein. Et je peux vous le dire, même c'est également le cas, j'ai été bluffé par Les Enfants du Temps, à quel point c'est différent entre le 4K Ultra HD et le 1080p. Ce coffret, pendant que je range et pour finir, est parfait. Je vous le recommande à 2000% si vous voulez avoir une édition sublime de Bell. C'est l'édition la plus ultime qu'on puisse avoir. On n'aura pas d'autres éditions ultimes comme ça. Ne gâchez pas ça. Ne laissez pas ce genre d'édition disparaître. Ne laissez pas les éditeurs dire « On arrête le 4K parce que ça ne marche pas et ça ne se vend pas. » Ne laissez pas tomber le 4K parce que c'est trop limité pour l'instant. Ça finira par se démocratiser. Plus les gens achèteront du 4K, plus les gens achèteront ces éditions, plus les éditeurs vont voir qu'il faut en faire du 4K. Et ils comprendront à un moment donné qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde et qu'il faudra arrêter le 4K en collector et faire, comme le Blu-ray simple, proposer un 4K simple, sans collector. Donc ne laissez pas mourir ces éditions, achetez-les au possible, bien sûr, si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne les prenez pas, hein, bien sûr, je ne vous demande pas de vous ruiner, hein. C'est vraiment selon votre budget et ce que vous pouvez, parce que 80 balles le coffret, je sais bien que tout le monde ne peut pas se le permettre, hein. Voilà, je ne force personne à acheter ce collector, hein. J'ai juste que ce serait dommage de ne pas l'avoir, parce que vous vous rebutez à un 4K avec cette édition collector que vous ne pouvez pas vous payer ou que vous ne voulez pas acheter parce qu'il y a parce que vous ne voulez que le 4K, hein. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette review du coffret de Bell, voilà, du coffret de Bell que je vous remontre ici.
J'ai rangé tout. Alors, petit tir hein, sur All The Anime pour terminer. Hein. Le flyer, ce qui ne rentre pas complètement dans le coffret et qui dépasse très, très, très légèrement. Parce que le flyer, en fait, il n'est pas collé. Hein. Et le problème, c'est qu'il dépasse très, très légèrement du coffret. C'est pas propre. Je pense que je vais le découper un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu, histoire qu'il rentre parfaitement dans le coffret. Quoi. Parce que là, il dépasse. Malheureusement, il dépasse de très, très peu du coffret. Et vu que je ne gardais pas la plupart du temps les flyers, maintenant je les garde, les flyers. Faites ça, gardez les flyers, c'est important. Donc voilà. Super coffret, super édition, super film, d'ailleurs, hein, pour dire. Je vous invite à aller voir encore une fois la review de Vic pour vous faire un plus ample avis sur la qualité vidéo, audio et tout le reste. Hein, avec la différence peut-être avec le Blu-ray japonais et évidemment la différence entre le 1080p et le 4K. Hein, parce que je ne suis pas approprié, je ne suis pas la personne la plus appropriée pour vous faire ce genre de spécificité. Déjà, je n'ai pas le matériel pour et puis je ne suis pas spécialisé dans l'audio visuel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite. Pour une prochaine review de Blu-ray ou je ne sais quoi. Ça dépendra de ce que j'ai en stock dans les prochaines semaines. Allez, à plus tout le monde. Ciao, bye.